C'est à toi de jouer. Maquille un peu ton accent du Bronx. C'est Brooklyn, et t'inquiète. Si tu réussis, je prends ma retraite. Ça m'encourage pas, capitaine. Tu t'en sortiras, reste concentré, c'est tout. Ouais, ça va le faire. Zeta 5 clic, fin de transmission. On est avec toi. Eh bien, salut tout le monde, c'est Bleach, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Ghost Recon Future Soldier, l'épisode numéro 9, oui 9 je crois, oui c'est ça, ou 8 peut-être, bon voilà, 8 ou 9. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, vous avez vu sûrement une petite cinématique bien sympathique, c'est bien, ça rime en plus. Où il est dans l'espace et d'ailleurs il saute, enfin c'est waouh, moi ça m'a choqué sur le premier abord. En tout cas, ben, on va faire la mission et puis là je viens de remarquer il y a quelques minutes que nous sommes en première page de Gear Network, donc dans la grosse espèce de gros truc en haut là, où on a les émissions avec cette série là. J'en suis vraiment très très heureux, mais vraiment très très heureux, vraiment très très heureux. Alors ben je les remercie, hein. Je les remercie de tout mon cœur avec, non, on va peut-être éviter ça, ça le fait pas trop. Donc en gros j'ai pas entendu du tout ce qu'il a dit, alors c'est pas grave, on va personnaliser notre équipement. Donc ça c'est pas, non ça c'est pas un sniper, donc ACR. Alors on va choisir, on va juste changer le motif, alors pourquoi? Bah parce que j'ai envie, ouais. On doit avoir des trucs bien plus jolis, donc iranienne, cool. Waouh, ça choque, hein. ça choque. Urbain Irak. Oh, ça c'est sympa. Ouais, on va peut-être pas mettre tout le temps le même. Marron uni, ah ok, bon. Libye, non. Oh, quoi que si, on va prendre Libye, voilà. On va rester comme ça. On va retourner au briefing, on va juste changer le PM, on va juste changer. On va garder le vector, on va juste se sélectionner, alors on va l'optimiser pour la puissance. On va le changer, par contre on va mettre là, optique thermique, ah, optique thermique. Et si on mettait ça, tiens donc. Alors optique thermique et au bout on va mettre, ouais on va mettre un silencieux juste au bout, bon ça a niqué un peu ma... C'est pas grave, j'en suis désolé, mais... Ça sera toujours plus sympathique. Capteur, frag. Ouais, frag, c'est le mieux. On peut niquer des gens comme ça s'il y a un problème. Et on est parti. Bon, j'espère en tout cas que cette série vous plaît. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous tourner cet épisode. Alors là, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour tourner. Alors, il est 18h38. Je vais partir vers 19h30. J'espère que je pourrai tourner l'épisode. Parce que la dernière fois, j'ai pas pu. Enfin, je peux plus. Non, j'ai pas que pas pu, mais. Enfin, si j'avais fait le même temps que la dernière fois, j'aurais pas pu le tourner. Parce que la dernière fois, j'ai fait 57 minutes et là, à quelque chose près, bon, c'est ça. Mais bon, le temps que ça se démarre, alors je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'elle est pas très longue celle-là. Mais bon, comme à mon avis, on s'approche un peu de la fin. Je suis pas sûr que cette mission soit super courte. Alors on va voir. Donc là, on a une petite cinématique sympathique. Oh waouh! Alors ça, c'était bien joli. Il est juste à côté. Enfin, on voit quand même bien la lunette bleue. Hein. Enfin, quand même, je trouve. Là c'est un mec, un méchant. Est-ce qu'on... Alors, tuer deux... Ah, ça j'aime bien, moi. J'aime bien m'infiltrer. Mais c'est vrai que je préfère à ce niveau-là les Splinter Cell. Alors pourquoi? Pourquoi, je vous dirais, bah, je sais pas. Préférence, hein, c'est juste une préférence perso. Alors, attendez, je vais regarder un petit peu. D'accord. Et là, ok. Bon. J'ai un petit peu l'impression que je suis tout seul. Non? Enfin... Oui, je suis tout seul, c'est ça. Alors on va déployer le drone, on va pas, on ne sert à rien qu'on fasse des spotages. Donc, bon, je peux en spot, mais ça sert à rien. Parce que, donc, il y en a un là et un là. Et un là-bas. D'accord. Alors, on va avancer tranquillement. Parce que ça sert à rien qu'on se dépêche. Donc, il y en a un là. On va le descendre. Voilà. C'est une patrouille, découvre un cadavre. Ok. Il y en a un. Oula. Alors on va essayer de faire comme ça, vous allez voir. On va s'aligner et on va les tirer d'un coup.
Nickel, ça c'est bon. Alors ensuite, vous savez ce qu'on va faire? On va lancer un capteur par là. Voilà, donc la grosse truc blanche, c'est à peu près son rayon d'action. Donc il y en a un là et un là. Donc lui, on va pouvoir le tuer. Et lui, on va pouvoir le tuer. Alors, vous m'excuserez. Ou pardon. J'ai eu un petit moment de stress là. Ah merde. Bon, c'est pas grave, on reprend. Je suis un peu deg. Mais on reprend, c'est pas grave. Donc garantie, 23h19, Asie, Russie, Crayé du Primori. Voilà, donc infiltrer la prison. Sympa. Bon, on recommence, c'est pas grave. Alors oui, je voulais vous dire, franchement, cette vue thermique là, elle sert strictement à rien. Mais alors rien du tout. C'est une espèce de vision nocturne chelou, un peu thermique, mais alors elle sert mais à rien. Mais de rien, mais laissez tomber quoi. On va lancer un capteur. Il y en a un là, on va le tuer. Il y en a pas un plus, ok. Putain, je l'avais pas vu. Merci bon Dieu d'avoir mis ce capteur en m'indiquant comme quoi je suis. Oula, fou. Heureusement. Mais enfin bon, c'est pas grave, alors attendez. J'ai vu qu'il y avait un projecteur, donc le cadavre doit pas être dans le projecteur s'il faut qu'il meure, donc on va le faire mourir par là. Et on va tuer le deuxième. Attendez que je le trouve. Je ne sais pas d'ailleurs où il se trouve. Alors, il y en a un là-haut. Donc on va le tuer. Voilà, on va se mettre là et on va tuer le dernier. Alors oui, bon là c'est vrai que bon, c'est pas une séquence d'infiltration pure et dure, super super compliquée. On a juste à tirer quoi, en gros, c'est pas plus simple que ça. Alors, capteur, il y a quelqu'un là-dedans, j'ai bien fait de le lancer. Alors lui, il fait des choses bizarres. Voilà. Alors par contre là il s'est touché l'arrière de la tête mais il s'est pris une balle de devant, alors ma foi. J'ai bien compris, et là ce serait dommage, on peut pas récupérer nos capteurs, s'il vous plaît. Non, bah non, tant pis. Alors on avance, infiltré, donc il y a un mec ici, on va relancer un capteur, hein, juste pour être un petit peu safe quand même. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait un là, donc on va tirer lui ici. On va se passer derrière ici comme ça, voilà, on est quand même bien plus sécurisé. Alors, tac, et non, on va le tuer là, lui. Alors, pourquoi on va pas le tuer là? Parce que c'est putain de lumière. Alors, à moins qu'on puisse péter les lumières, mais ça m'étonnerait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, voilà, ça c'est bon. RS, donc on les a tous tués, c'est nickel. Enfin, du moins, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, donc cet épisode je pense que vous le mettrez environ pour le... Alors attendez que je regarde un peu les dates. Nous sommes le 18 juillet aujourd'hui. Bon, d'ici avant le 31 vous devrez avoir l'épisode normalement. Tout dépend ce que je filme normalement. J'ai encore quelques épisodes qui sont là. Ouais, bon, d'ici... Comptez d'ici le 25. D'ici le 25, donc j'ai déjà l'autre à mettre avant. Alors envoyez un drone. Ah ouais, sympa. Alors on va avancer. On va avancer, donc oui, comme je vous disais, donc ben, je vous parle tout le temps de mes projets, mais bon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire au niveau de mes projets. Donc oui, saison 2 Let's Play Speedrun, disponible d'ailleurs sur Gear Network en semi-exclusivité, hein, comme vous le savez. Sur Call of 4, donc saison 2 prévue, saison 1 en cours de plow, en cours de. Ouais, je suis en train de les mettre. À ce niveau-là. Vu que je ne suis pas trop là en ce moment, alors je regarde, hein, je suis un petit peu safe. Comme je suis pas trop là en ce moment, les vidéos sont, voilà, ces vidéos-là ne seront pas trop postées. Les prochains Let's Play Speedrun que je posterai, ça sera dans la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, pour vous dire, c'est la semaine du... Alors attendez, je regarde. On est mercredi 18 juillet, donc le mercredi, ouais, voilà. Ça sera d'ici le 25, voilà. Après, bon, je vais avoir des soucis, le 31 juillet, c'est mon anniv.
C'est mon anniversaire, donc là je pourrais pas vous filmer une vidéo déjà. Et ensuite, un petit peu avant, ben, ça va être compliqué aussi. Là, ça va être un tout petit peu compliqué en ces temps. En ces temps-ci, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude. Alors attendez que je ne fasse pas d'erreur. Voilà. Il me semblait bien en avoir vu en là-haut. Ensuite, donc voilà, mon anniversaire. Après, ben, je sais pas trop ce que je vais faire de mes journées. Je suis en train de m'organiser petit à petit. Et dès que je me serai bien organisé comme il faut, je vous tiendrai au courant. De toute façon, le Twitter est là pour vous aider. Donc abonnez-vous sur Twitter ou créez un compte. Et franchement, créez un compte et abonnez-vous. Ça peut vraiment servir. J'étais vraiment sceptique au début moi-même. Je me suis dit un jour, bon allez, je vais créer un compte. Et c'est vrai qu'on peut quand même avoir tout plein d'infos en direct. Et c'est vraiment bien sympathique. Alors, suivez mon conseil et abonnez-vous. Abonnez-vous. Je suis d'ailleurs aussi d'ailleurs content. Juste des abonnements YouTube. Nous arrivons aujourd'hui, donc nous sommes toujours le 18 juillet, hein, ça n'a pas changé. Le 18 juillet, nous avons un nombre de 40 abonnés. Alors, c'est vrai, 40. 40 pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Bon, pas grand-chose en soi. Mais pour moi, ça signifie beaucoup. Alors bon, vous allez me dire, ouais, voilà, c'est un petit joueur, il compte que sur ses 40 abonnés. Mais ces 40 abonnés-là, je les remercie de tout mon cœur. Hein, si je peux mettre mon cœur dedans, là-dedans. Je les remercie énormément parce que c'est une reconnaissance de mon boulot fourni. J'essaye de faire le boulot d'un maximum de qualité. Enfin, j'essaye, hein, c'est des essais de toute façon. J'essaye, j'y arrive peut-être pas tout le temps. J'essaye maintenant de vérifier, par exemple, pour les noirs dans les vidéos. J'essaye de vérifier chaque vidéo en intégralité quasiment. Enfin, je peux pas toutes les regarder entières parce que ça me prendrait trop de temps, mais j'essaye de vérifier s'il n'y a pas de points noirs, enfin d'endroits noirs que Sony Vegas aurait pu faire, parce que c'est vrai que Sony Vegas des fois joue un peu, enfin fait un peu des siennes, et c'est vrai que c'est un peu chiant. Et remercie aussi mes 20 abonnés sur Gear Network, que j'aime tous, je vous aime tous de toute façon, et je vous invite à rejoindre les deux plateformes, donc autant Gear Network que YouTube, voilà. Ça pourra me faire un peu plus connaître et faire partager un peu tout ça à plus de monde. Ça serait vraiment cool, moi ça me ferait vraiment plaisir parce que j'essaye de prendre le maximum de temps libre que j'ai pour vous faire ça. Et j'essaye de faire ça avec le maximum de qualité possible et avec le plus... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué à dire, mais je prends plaisir à faire ça. Enfin, sincèrement, je prends vraiment plaisir. Cet été, ben voilà, j'ai un peu de temps, alors j'en profite. J'aurai peut-être pas tout le temps le temps. L'année prochaine, c'est vrai que ça va être compliqué parce que va falloir que je bosse. C'est vrai que j'ai pas fait grand chose cette année. Même si mes résultats de bac ne sont pas extrêmement mauvais. J'en suis d'ailleurs plus que content. Alors attendez, ça se pirate. Ok. Mais c'est vrai que j'essaye de prendre le maximum de temps libre entre la copine, la famille, les anniversaires, les fêtes, les machins. Et c'est vrai que prendre un peu de temps pour ça, ça fait toujours pas de mal. Alors quand j'ai un petit peu de temps libre pour moi, j'essaye de vous filmer des vidéos. Bon, j'essaye de faire ça quand j'en ai envie. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu plus compliqué. J'en ai pas tout le temps l'envie comme j'ai envie certaines fois. Ou j'ai vraiment envie, comme par exemple aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous filmer des vidéos. Mais c'est vrai que certains jours en plus, j'ai des problèmes de bouche. Alors ça m'embête un peu. Mais c'est vrai qu'il y a certaines journées où j'ai pas tout le temps envie de vous filmer des vidéos. Mais je le fais quand même, parce que ça me fait plaisir. D'un côté ça me fait plaisir, d'un autre côté j'en ai pas tellement l'envie, mais ça se ressent de toute façon dans les vidéos, dans la façon dans laquelle je parle. Enfin tout ce que je fais, ce que je raconte, voilà, c'est... Ça c'est énorme, c'est juste énorme ça. Alors attendez, oui voilà. Donc voilà, tu suis les ordres, je ne veux pas te tuer pour ça. Ok. Hop. Et donc bah, j'essaye de faire ça avec le maximum de plaisir et le maximum de temps que je peux. J'essaye de vous proposer des trucs un peu innovants. Voilà, les Let's Play Speedrun, je pensais que c'était un petit peu innovant, novateur, comme vous voulez. Je pense pas qu'il y ait peu, enfin je pense qu'il y ait peu de monde qui le fasse. Et j'aimerais, hein, bon je vais pas m'élancer dans des grands propos, devenir, on va pas dire la chaîne numéro 1 des Let's Play en France. Mais c'est vrai que j'ai jamais remarqué. Enfin, il y a des chaînes américaines qui sont bah, les MediaCause ou encore certaines personnes qui sont très très bons en Let's Play. Hein. Mais
Au niveau français, c'est vrai que bon, à part les Let's Play de Diablo X9 qu'il est en train de faire en ce moment, il n'y a pas grand chose. Enfin, j'ai pas remarqué non plus d'extrêmement, enfin des trucs extrêmes. Donc oui, c'est vrai qu'il y a certaines chaînes qui font un peu de temps en temps des Let's Play ou des Walkthrough, ou des Playthrough, enfin n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'une chaîne consacrée en grande partie à ça, bon, à part les séries sur Minecraft que je fais avec Joker et les petites conneries qu'il peut poster en même temps, les glitchs ou les machins, ou les tutos qu'il va bientôt pouvoir poster. C'est vrai que je fais que des let's play moi, quasiment. J'essaye d'être un peu novateur, voilà, pour pas que non plus faire que ça et rester dans du basique. Donc voilà, les let's play speedrun, je pensais que ça soit, c'était un bon compromis. Alors voilà, après, bon, chacun en juge de ce qu'il veut. Oh, attendez, j'essaie de switcher un peu les armes. Déclencher l'alarme n'est plus un motif d'échec, cool. Alors on va essayer de pas déclencher l'alarme quand même, mais si c'est plus un motif d'échec, alors c'est bon, je suis content. Donc là ça va être quoi, une balise lumineuse ou plutôt une bombe? Bon, vu où c'est placé, ça m'a l'air plutôt d'une bombe dans ces quatre. Ah, elle est placée la valise? Elle s'est placée où? Bon, je sais pas. Bon, voilà. Alors, on continue notre petite mission. Là, je viens juste à l'instant de vous filmer un épisode de Max Payne 3. Ouais, ouais, ouais. Donc, Max Payne 3, c'est pas une série qui marche trop, trop bien. Je l'ai pas mis sur Gear Network parce que j'avais déjà fait plein d'épisodes. Mais bon, j'aurais pu quand même. J'aurais quand même pu vous la mettre. J'ai pas voulu. Je peux pas tout vous mettre non plus sur Gear Network. C'est vrai que, bon, je veux pas dire que je veux faire que du exclusivement Gear Network pour pouvoir un petit peu... pas me faire connaître, hein, je vais pas parler en me faisant connaître, mais c'est vrai que j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes à venir sur mon YouTube. Parce que je préfère. Attention, j'aime autant les deux. Mais sur YouTube, c'est pas assez différent, il y a plus de monde déjà, donc ça sera une plus grosse communauté. Et c'est, oui, on va dire que c'est une communauté différente avec celle de Gear Network, deux communautés que j'aime bien. Alors ce qui est bien sur Gear Network, c'est quand même un site vachement plus intuitif que YouTube, c'est vachement plus facile et il y a vachement moins de monde, donc vachement plus de chances que les vidéos soient vues et que notre boulot soit récompensé. Donc c'est vrai que là ça fait quoi, allez, on va dire une quinzaine de jours que je suis sur ce Gear Network depuis le 1er juillet. Nous sommes le 18, donc voilà, ça fait quelques temps maintenant. J'ai déjà fait la moitié de mes abonnés sur YouTube, hein. J'ai 20 abonnés sur Gear Network. Oula, j'ai eu chaud, pardon, excusez-moi, j'ai pas trop parlé là pendant ce temps, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu chaud. Si je pouvais reprendre mon camouflage, ça serait bien. Et j'ai quasiment le même nombre de vues, mais quasiment la moitié du même nombre de vues. Donc je suis à presque 800 vues sur Gear Network à ce jour. On serait peut-être à 1000 bientôt. Mais c'est vrai que j'ai deux fois moins d'abonnés en beaucoup moins de temps. Parce que sur YouTube, ça va faire 2 mois et demi que je suis. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus facile de se faire un peu plus voir par les gens. Alors c'est pas non plus dit que ça marche absolument et que tout le monde aime tout ça, mais j'ai des pas trop mauvais retours. Je n'ai pas eu trop de choses, disons, me critiquant dans un mauvais sens, même si je vous laisse me critiquer dans un mauvais sens si vous ne trouvez pas ça bien. Je vous dis pas qu'il y en a, il y a certains trucs que je trouve pas bien sur certaines personnes. Voilà, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Donc si vous avez un avis négatif sur la chose, dites-moi ce qui va pas. Balancez-moi des critiques, pas non plus d'insultes, voilà, je vous demandais de pas m'insulter ni rien parce que je le prendrais peut-être un peu mal. Peut-être les insultes, voilà, évitez, donc voilà, vous pouvez être haters, vous pouvez être ce que vous voulez, évitez des insultes. Vous pouvez critiquer en bien ou en mauvais, alors une critique c'est souvent en mauvais, mais vous pouvez balancer des critiques, me dire ce qui va pas, si vous aimez, si vous aimez pas, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi je vous dis, voilà, moi ça me plaît de faire ces vidéos. Certaines personnes vont dire que je commente mal, peut-être que je filme mal, peut-être que ça les intéresse pas. Voilà. Alors juste éviter les insultes, voilà, c'est tout. Je veux pas vous embêter avec ça. Mais si vous voulez faire des critiques, faites-en. Ça peut que me faire progresser dans tous les sens du terme. Hein. Donc faites des critiques, ça peut m'intéresser.
mettez des commentaires, laissez des j'aime, des j'aime pas, voilà, au moins je peux avoir un petit point de vue sur la chose, savoir si vous aimez ou pas. Je pense que ça peut être bien. Alors, puis-je sortir? Non, mais c'est en fait. Ah, ok, sympa, un chargement. Alors, ça, c'est un. Comment ça s'appelle? Un ascenseur. Oui, c'est un ascenseur. Et j'ai remarqué depuis quelques temps. Bon, je sais pas si vous l'avez remarqué, vous, parce que vous me suivez pas depuis le départ. Mais pour ceux qui me suivent depuis le départ, donc j'appelle les abonnés, premiers abonnés de YouTube. Donc, en particulier Illuminator, voilà, mon partenaire YouTube. Que j'aime à la folie, non, peut-être pas aller jusqu'à là. C'est vrai que c'est vraiment une personne que j'apprécie, que je connaissais pas il y a d'ici ça quelques. Quelques jours, hein. Non, merde, c'est pas comme ça qu'on fait. Il commence à couvrir ces espaces. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, donc c'est vraiment des personnes. C'est vraiment une personne que j'apprécie. Donc je le remercie encore pour le compte Minecraft qu'il a voulu, qui a bien voulu nous donner. D'ailleurs, va falloir que je voie un petit peu avec lui. Quand il sera temps, bon c'est pas grave, je vais être découvert, c'est pas un souci. On va voir où on s'est fait découvrir, cadavre découvert. Ok, c'est pas grave. Ils ont découvert les cadavres, mais est-ce qu'ils nous ont trouvé? Non, oui, là oui. Alors on va partir à l'engagement. Oula, parce que là on a le droit à aucun Oula, mais il y a quand même du monde. Alors on va lancer une petite frag. Ça devient hoche quand même, hein. On va attendre que lui sorte. Voilà, donc ça fait déjà un en moins, ça c'est bien. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais même plus. Donc oui, oui, je remercie l'illuminateur. Merde. C'est bien parce que pour nous soustraire du feu, il y a personne pour nous aider. Alors, oui, illuminateur, c'est une personne que j'admire. Enfin, non, j'admire pas. Non, c'est peut-être, on va peut-être pas aller jusqu'à là. Mais je vous invite en tout cas à aller voir sa chaîne. Donc illuminateur, vous le verrez, il est dans ma subbox. Allez voir, franchement, ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui aiment le Minecraft, bien sûr. Tout ce qui est Minecraft, oui, oui, tout ce qui est Minecraft. En tout genre, hein, Minecraft en tout genre. Mais en tout genre, hein, des fun movies, des machins, des trucs. C'est sympa, franchement, c'est sympa, moi je le kiffe bien. C'est un bon pote, maintenant c'est devenu un bon pote. Il m'a offert un compte Minecraft. Je le remercie encore, je lui dédicace encore cette vidéo, même si j'ai déjà dédicacé une vidéo IRL. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'adorable, d'appréciable du moins. C'est un bon pote, c'est devenu un bon pote alors que je ne le connaissais pas il y a d'ici ça. Quelques jours, hein, 15 jours, 20 jours, même pas, enfin voilà, très très peu de temps. Et en très peu de temps, on peut se faire de très bons amis. Ça, je vous le dis. Putain, cette arme par contre, elle est sympa. Elle est sympa à utiliser. Mais alors, ma foi, qu'est-ce qu'elle. Alors, soulève ta tête, toi tu vas t'en prendre un headshot direct. Ah, ça m'énerve. On va récupérer son MP, son AK-47. AK-200, c'est pareil. Alors, on va viser avec. Alors, hop, un de moins. On va faire F. On va lancer un petit capteur. Donc il y en a un là. Ça c'est fait. Oh, il est pas mort lui? Non mais sérieux quoi. J'ai l'impression qu'ils utilisent aussi des silencieux. Nickel. Alors lui il est dead. Tiens, j'ai fait ça pour rien. On va récupérer son arme là, la SRM 43M. Voilà, SR3M pardon. Ça veut dire un nom chelou. Nickel. On va avancer tranquillement. D'accord.
Eh bien, j'aimerais dire pourquoi pas. Là, on va prendre quand même, voilà, un petit peu de marge. AK-47. Alors, je préfère la AK-47. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle bouge moins. Alors, ça reste une impression, hein. On va lancer mon frag par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et une frag par là-bas. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est bien. Bon, après, voilà, chacun... Oh putain, merde. Ah là 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 là. Bien joué de sa part, mais il ne m'a pas quand même eu. Ah, c'est censé être un petit peu un jeu d'infiltration, mais c'est pas grave. Je vais pas leur en vouloir. Moi, je vais pas m'en vouloir à moi-même, hein, de toute façon. Alors, ah, on cherche un président. Ça m'énerve. Ça commence à m'énerver tout ça. On va refraguer un petit peu. Voilà, je pense que là ça va être plutôt bon. Alors ça et ça, ça c'est fait. Il y a un mec là, il nous a lancé une flash. Merci monsieur. Non, je suis pas du tout idée. Hein. Ah oui, il est là. Alors on va le tuer, monsieur, merci, avec plaisir, sans rancune. Putain mais, bordel, ils sont où? Putain mais, il faut pas que je mette un drone là. Je vais me faire tuer. Alors on va se mettre dans un coin. On va éviter de mourir. Ça serait con quand même si on mourait maintenant. Alors j'ai pas envie de mourir maintenant, moi je vous le dis. Et on va faire 6. Et on va explorer Zat. On va se bouger avant de se faire tuer. Aïe. Non, bah alors on va reculer. Tac, 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 tac. Et on va avancer par là. Alors est-ce que mon mec est camouflé? Je ne sais pas. Merci. On va décoller parce que, bien sûr, avec la chance qu'on a, ça ne marche pas. Bah ouais, d'accord, mais je fais quoi là? J'ai pas bien compris ce que je dois faire. Ouais, bon, d'accord. On va avancer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas compris. Ah, alors si, en fait j'ai compris, mais il faut que j'y retourne. C'est pas grave. Alors, à moins que ce soit vraiment par. Ah, bah non. Explorer. Ouais, mais. D'accord. Dites-le moi avant, hein. Non, enfin quand même. Enfin, vous aurez pu. Bingo. Yeah. Ah, ben voilà. Volodin, il est là, accroché à une corde. Ouais, bon, tout simplement. C'est un quoi? C'est un président russe? Ouais, il y a des chances. Ah, il lui file un PP2000, une PP2000. Je savais pas qu'il allait lui donner une arme, mais bon, c'est sympa aussi. Alors, escorter Volodin. Ben, on va l'escorter, Misters. S'il veut bien rester derrière moi, on va l'escorter. Nous, on va se mettre en invisible. Parce qu'on est. Voilà, hein. On va pas se faire chier. On va prendre l'arme en silencieux. Donc, si Misters veut bien se bouger. J'ai l'appelé Misters parce que Volodin, j'aime pas. Alors bon, on va malheureusement pas pouvoir faire non plus 50 millions de mètres. Voilà. Alors on va faire comme ça.
comme ça on va un peu les spotted. Il y en a un là. Donc lui il est mort. Et un là. Il est mort aussi. Alors on va continuer. Donc RAS nickel, il n'y a plus personne. On va escorter Mister. Alors Mister. Ah mais oui, plutôt par là, bien sûr. Il va falloir qu'on fasse toute la mission dans l'autre sens. Oh non, ça va être une torture. On n'entend pas beaucoup les voix. Alors j'ai peut-être fait un petit peu bugger, alors j'ai peut-être pas assez de son, je sais pas. Alors peut-être que vous entendrez bien, moi j'entends pas trop. Il s'est bien fait tabasser, moi je vous le dis, il a la gueule en sang. Allure, ouais. Oh ouais, cool. Sympa ça. Tout ça devient sympa. C'est pas de panique, c'est notre confinement. Enfin, j'espère, ok. Bon, j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de plutôt bien. Enfin, quand je dis quelque chose de plutôt bien, c'est ce qu'on va pouvoir. Oh putain, ils ont mis le bordel ici. Ils ont mis le bordel. Bon, c'est pas grave. Tant qu'on peut faire quelque chose de correct. Merde. Merde. Oh là. Ouais, d'accord, mais j'ai pas demandé non plus de faire tout péter. Voilà, c'est pas la meilleure des idées. Ok, donc extraire 216 mètres. On va courir. Bon, bah, extraire 216 mètres de l'autre côté, hein, voilà. Donc, on se rajoute des mètres pour rien. Bon, ça je m'en doutais, mais bon, c'est pas grave. Alors, ils vont nous faire prendre le chemin le plus long, je le sens très très bien. Enfin, en même temps, détecter, ils sont bien rigolos, mais bon. On peut passer par là, ça c'est sympa. Oh, abattre deux ennemis d'une seule balle. Bah, en même temps, c'est mieux quoi. C'est plus économique. Alors, c'est vrai, parce qu'en plus, ils se font tirer dans leur dos. Ils ne s'y attendent pas. Enfin, je pense qu'ils ne s'y attendent pas. Me tromperais-je peut-être? C'est bien possible. L'autre est mort. Bah, au moins, au lieu de se sauver, je les finis tous. C'est... Ouh là là. Par contre, j'aime pas trop les missions en solitaire. Dans ce jeu, du moins. Parce qu'il faut quand même qu'on tire. Alors, c'est pas non plus du Ghost Recon, mais il faut qu'on soit à Support Display. Alors, Volodin, s'il peut se bouger, c'est bien. Donc là, on va pouvoir extraire. C'est nickel, il me reste un petit peu de temps avant de partir, je vais pouvoir faire d'autres choses. Et... on va... Oh merde. Merde. Oh. Bon, pareil, il peut pas m'aider, le pélo là. Alors on va les tuer comme ça, de toute façon. Pas le choix. Oh, ça fait... oh, elles sont sympas quand même, ces trucs. Oh, toi, t'es mort. Donc, il me reste quand même assez de balles, donc ça suffira, je pense, pour terminer la mission. Je sais pas d'où il pop en plus. C'est sympa. Bon, c'est pas grave, après, alors, je sais pas ce que vous aurez comme vidéo après. J'ai une série aussi qui est en attente. Une série qui est tournée à 90%. Alors, quand je dis 90%, pourquoi je dirais 90%? Vous allez très très vite comprendre. Alors, on va maintenir peu pour changer. Alors, quand je dis qu'elle est à 90%, pourquoi? Je l'avais presque terminé. J'ai installé ce magnifique Ghost Recon. Et bien sûr, avec toute la chance que j'ai, ça m'a tout fait bugger. Alors oui, vous allez dire, ouais, c'est pas vrai, putain, je suis mort, bordel de merde. Alors oui, ça m'a tout fait bugger mon jeu. L'autre jeu, malheureusement. Et donc, il va falloir que je le recommence à 100%. Mais, j'aurai que les deux dernières missions à mettre. Donc bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On fait avec. Overlord, Hunter, le collier est au point d'extraction. Où est Taxi? Il arrive.
donnez la position à la droite. Alors, on va recommencer à retenir notre position. En fait, c'était finalement mieux avec ça. Donc, SRM3, on va tirer un truc là. Alors, SAOWO. Ça, c'est plus sympa, je trouve, quand même, ça. Même si on n'y voit rien. On y voit. Ah, mais putain, mais ils sont cons à avoir lancé des fumigènes. Regardez, hop. Bon, ça va rien faire. C'est pas grave. C'est toujours intéressant. Ou du moins, ça reste assez intéressant. Alors, oui, ça, dans le coup, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, je sais pas si vous avez vu. Si vous avez pu avoir la chance de voir le gameplay. Un gameplay de moi de Hitman Absolution. Alors oui, je vais moi y regarder sur jeuxvideo.com. Waouh, franchement, waouh. Je vais vous le faire, ça c'est sûr. Bon, il sortira qu'en novembre ou décembre, mais je vous le ferai à 100%. Ça, vous pouvez être sûr à 100%. Mais alors sûr. Oula, boum. Et oh, sympa. Et franchement, il est juste énorme. Mais alors, quand je dis juste énorme, c'est juste énorme. J'ai jamais vu un jeu aussi magnifique. Enfin, c'est un jeu quand même relativement beau graphiquement, mais relativement beau. Hein. Donc, c'est un joli jeu. Mais alors, ils ont pensé à des trucs, mais juste énorme, quoi. C'est un truc de fou. Un truc de folie. Bon, en tout cas, la vidéo va terminer. Ah, peut-être qu'on va voir encore une petite séquence, non je sais pas. C'est parti. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir. Donc on a débloqué le TAR 21, le lance-grenade, le lance-fumigène. On va les utiliser. Motif d'armes assez UFS Army, U Estonie et Grèce, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Ciao.